amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit Lenormand. Je m'appelle Alexandre Mesrock et je suis heureux de vous accueillir ici pour parler du Petit Lenormand dans le contexte de la santé. Donc nous terminons notre série de vidéos aujourd'hui, la sixième vidéo sur la santé. Et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont écrit, qui m'ont dit comment j'ai pu ouvrir leurs yeux, on va dire, sur l'interprétation des cartes et comment associer certaines maladies ou certaines parties du corps humain à certaines cartes. Et aussi comment chaque carte peut donner un message divinatoire dans le contexte de la santé. Donc voilà, sans plus tarder, je vous invite à me rejoindre sur la table de voyance où nous allons discuter de ces six dernières cartes et vous apporter une meilleure compréhension de cet oracle. Nous touchons à la fin de notre série, dernière série aujourd'hui pour le corps humain. Et comme je vous ai dit, j'ai écrit un petit livre qui vous aidera bien sûr à garder tout ça en tête et j'offre encore plus de détails sur les maladies, sur comment la carte peut vous aider ou pas dans certaines situations. Donc vous le trouverez, c'est en PDF, dès que vous l'achetez, il est directement sur votre ordinateur et vous pouvez même l'imprimer pour votre usage personnel. Donc on va passer au soleil. Le soleil, c'est la carte, encore une autre carte qui représente la peau. Parce qu'on le sait, on aime bien bronzer au soleil. Ça peut aussi représenter des taches qu'on trouve sur la peau, comme des taches de rousseur ou d'autres taches qui peuvent être bénignes ou non. D'accord? Mais aussi, je trouve que le soleil a une signification liée à la vitalité. Donc, elle va aussi parler de votre état d'énergie, parce qu'il n'y a pas de carte qui est reliée à ça. Donc, le soleil sera la carte qui va donner un peu la teneur de votre énergie. Par exemple, si elle sort avec le bouquet, avec la clé. Donc, on sait que, voilà, ça va très bien, que tout va bien. Mais si, par exemple, on a les nuages, on a la montagne, là, on sait qu'il y a une baisse de régime, il y a une baisse de vitalité. Donc, le soleil, c'est plus pour ça. La lune, bien sûr, vous ne serez pas surpris de voir la lune être associée à... Je m'interromps un petit instant parce que je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo un petit orbe blanc qui vient tout juste de flotter il y a à peine 10 secondes sur la caméra. Donc... peut-être que vous avez remarqué plusieurs fois dans mes vidéos qu'il y a des petits orbes de couleur des fois, mais aussi blanches, qui flottent dans l'air. Ce sont actuellement ce qu'on appelle des orbes angéliques. Ce sont les traînées d'énergie que les anges laissent en passant. Et c'est pour montrer leur présence. Nous, avec nos yeux humains, bien sûr, on les perçoit comme des orbes, mais elles n'ont pas vraiment cette forme. Donc, c'est ce que nous, on peut capter avec les yeux. Donc, juste une petite parenthèse, si vous vous demandez c'est quoi les petites bulles qui volent des fois dans mes vidéos, ce sont mes anges. Donc, alors, la lune. La lune, bien sûr, c'est une carte qui est associée à l'organe féminin. Associé aussi aux règles et aux menstruations, d'accord? Dans beaucoup de cultures, de croyances, on associe la lune avec le pouvoir féminin. Et souvent, des fois aussi, on peut associer le soleil en étant le côté masculin du corps ou de l'esprit, mais là, c'est plutôt vers un tirage spirituel qu'un tirage de santé. Donc, dans ce tirage, on attribue le soleil en étant l'énergie masculine et la lune étant l'énergie féminine. La clé va représenter les chromosomes, d'accord, les choses qui s'enchaînent, qui se cliquent, qui se forment. Ça peut aussi montrer, par exemple, l'ovulation dans certains cas. Votre client vous pose la question, est-ce que je vais ovuler, est-ce que je ovule bien? Donc, si vous avez la clé, vous savez que tout va bien. Et ça peut aussi représenter la fertilisation d'une ovule. D'accord, le début, on va dire, de la création de la vie. Donc, la clé...
souligne ce côté de départ, comment dire, de métamorphose, de création, de choses qui se mettent en route. Alors, les poissons, une autre carte qui, on va parler un peu de, comment dire, de bébé, de faire du bébé. Les poissons vont représenter les spermatozoïdes. C'est une carte aussi qui est reliée à la vessie, aux reins, au liquide corporel, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans la carte des poissons. Et aussi, les poissons vont représenter un peu ce côté de fertilité. D'accord? Fertilité, elle peut aussi représenter la prostate chez certains hommes. Alors, l'encre, carte suivante, va représenter les lombaires et les hanches. Actuellement, les deux dernières cartes du jeu, que ce soit l'encre et que ce soit la croix, c'est des cartes qui sont reliées au dos, le bas du dos surtout, au lombaire. Ça peut aussi être associé à la ceinture abdominale, parce qu'on a besoin de beaucoup de force, beaucoup de, comment dire, on se gaine beaucoup pour soulever les choses qui sont lourdes, pour porter les choses qui sont lourdes. Donc c'est pour ça que ces deux dernières cartes sont reliées à ces parties du corps. Pour le tirage de cette semaine, je vais travailler avec Lady in Waiting, Precious Lenormand, qui se traduirait par le petit Lenormand des dames de compagnie. Et je vais utiliser ce jeu pour faire votre tirage cette semaine. Donc je vous invite à vous concentrer sur votre question. Et aussi à demander qu'est-ce que semaine a en réserve pour vous. Et on va étaler les cartes. Et on va commencer. Je vais vous inviter à choisir entre le tas numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et je vais tirer trois cartes à chaque fois pour représenter chaque tas. D'accord? Donc choisissez entre le 1, le 2 ou le 3. Et je vais tirer 3 cartes pour le tas numéro 1. Et ces 3 cartes vont représenter les énergies en action pendant cette semaine. Donc j'espère qu'elles ne sont pas trop éblouies par la lumière, que vous pourrez bien voir. Alors, nous avons les oiseaux. Nous avons l'ours et nous avons le soleil. Alors, cette semaine pour vous, c'est une semaine où il y aura un peu de tension. Peut-être qu'il faudra faire attention à la façon que vous parlez avec les autres. Vous pourrez peut-être montrer un peu de brutalité. Donc, faites très attention à la façon dont vous communiquez avec les autres cette semaine. On voit aussi qu'il y a des bonnes choses qui vont vous arriver cette semaine. Il y a le soleil qui arrive, donc le soleil rapporte le bonheur. Avec les oiseaux, c'est aussi, comment dire, carte de communication. On vous dit que les communications seront claires, mais il faut quand même faire attention à l'ours, qui est une carte un peu agressive. Donc faites attention dans la façon dont vous parlez avec les autres. Si votre question est liée au travail, on nous montre ici que la communication est claire. Entre patron, employé, la communication est bonne. Si vous avez une réunion de travail, si vous avez une réunion de syndicat, cette semaine, c'est positif. Si vous avez des affaires de justice ou tout ce qui concerne un verdict, une décision, donc tout ça, cette semaine, ça va être couronné de succès et les choses vont bien aller. D'accord? Donc ça, si vous avez choisi le tas numéro 1. Maintenant, nous allons tirer trois cartes pour ceux qui ont choisi le tas, ou le chiffre 2 plutôt. Alors, trois cartes pour vous.
Alors, nous avons les souris, l'enfant et la lune. Alors, on commence par la carte du centre, l'enfant. L'enfant, c'est une carte qui parle un peu de renouveau, de légèreté. Et avec les souris ici, on peut aussi l'interpréter comme de l'insouciance. On peut peut-être vous accuser cette semaine d'être un peu trop insouciant, de laisser les choses aller trop loin. Et que c'est aussi une combinaison d'anxiété. Hein. Les souris et la lune, ça apporte un peu de... Comment dire ? On se sent un peu lunatique, on se sent un peu colérique, on se sent aussi sensible. Donc une énergie vraiment, vraiment... sensible cette semaine. Vous serez extrêmement sensible, vous serez irritable même, et peut-être que vous n'allez pas apprécier certaines remarques que vos aînés, vos parents, votre compagnon pourront vous faire, d'accord? Donc on vous dit de prendre les choses légères avec l'enfant, on s'amuse, on rigole, on prend un peu les choses avec humour, mais tout en gardant quand même un esprit ouvert. La lune, c'est un peu la carte de la clairvoyance, la carte des dons médiumniques. Donc, peut-être que vous êtes dans un stade de développement personnel où vous testez un peu ces pouvoirs, ces habiletés que vous avez. Et donc, il faudra travailler beaucoup, parce qu'avec les souris, c'est que on investit beaucoup mais on gagne peu. Donc il faudra quand même travailler ses dons si vous êtes sensible. Il faut aussi faire très attention à ses rêves cette semaine. Faites très très attention à vos rêves, car vos rêves vont contenir des messages assez forts, des messages assez divinatoires. D'accord? Donc on va passer aux personnes qui ont choisi le chiffre 3. Alors, voilà trois cartes que nous allons retourner et nous retrouvons ici l'arbre, nous retrouvons ici la tour et aussi le trèfle, d'accord? Donc cette semaine, c'est une semaine où aussi vous allez peut-être prendre du temps pour vous, pour vous ressourcer, pour vous rééquilibrer. J'ai l'impression que cette combinaison de cartes me montre vous êtes à un tournant dans votre vie, et aussi que vous voulez vraiment guérir des blessures du passé. Vous voulez construire des barrières, healthy boundaries, des barrières saines pour empêcher les autres de vous envahir. Vous ne voulez plus être l'éponge qui capte toutes les énergies négatives. Donc avec le trèfle vert, le trèfle de la chance, le trèfle c'est aussi un talisman parce que c'est un porte-bonheur. Donc on vous demande peut-être cette semaine de porter quelque chose qui pourra vous aider à filtrer ces énergies. Par exemple, porter une pierre sur vous qui pourrait vous aider à filtrer cette énergie. Porter une médaille ou une petite prière ou une invocation. Donc vous avez plusieurs façons de faire des petits talismans. Et vous pouvez aussi, par exemple, souvent on retrouve des petites pièces, et c'est ce qu'on appelle en anglais lucky money, donc l'argent de la chance. Donc on peut aussi prendre ces pièces et porter sur nous pour nous apporter chance. Donc cette semaine, c'est vraiment une semaine où vous ressourcez, où vous remettez tout bien à plat pour que tout puisse bien aller. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a apporté beaucoup plus de compréhension et beaucoup plus de lumière sur les cartes, et aussi que le tirage de la semaine vous apporte un petit plus. Et n'oubliez pas bien sûr de regarder le message angélique que je fais tous les lundis maintenant, et qui apporte une douceur, une réflexion pour la semaine, et aussi ça vous apporte un peu plus de guidance, d'accord? Mon livre sur mon petit livre et PDF, sur la santé et le petit Lenormand est disponible à travers mon site internet en français, mais aussi sur ma boutique Etsy, à un prix très raisonnable. Et c'est vraiment un petit livret qui va vous aider, qui va vous guider sur la santé.
comment utiliser les cartes sur la santé. D'accord? Donc, comme chaque semaine, n'oubliez pas de liker, de commenter et aussi de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite très belle semaine à tous et je vous retrouverai la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo et qui sait, peut-être sur une nouvelle série de vidéos.